Bonjour à tous, c'est Doc McCoy et on se retrouve pour le test sur NES de Monster in My Pocket, sorti en 1992, édité et développé par Konami. Ce jeu est basé sur une licence de jeux de poche, figurines de monstres à collectionner, donc des petites figurines de monstres aussi bien inspirées par la littérature, le cinéma que par la mythologie. Donc voilà, le vampire, je vais lancer la partie comme ça vous verrez déjà les deux personnages principaux. On peut jouer à un ou à deux. Donc ça, on va avoir des squelettes, ici le vampire ou le monstre de Frankenstein, qui sont les deux personnages qu'on peut incarner. Et tout le reste, tous les autres personnages, en fait, il y aura un peu de tout. Il y aura de la chimère, du griffon, de l'abominable homme des neiges, des sorcières, des squelettes, des fantômes, etc. Un peu de tout. Voilà. Et c'est basé donc sur des petites figurines à collectionner qui se vendaient aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est sorti en France, ce truc-là, Monster in My Pocket, je me souviens pas. D'avoir vu ça un jour dans les magasins de jouets ou chez le marchand de journaux. On va prendre le vampire, même si les deux personnages ont un gameplay rigoureusement identique. Et on va voir l'histoire se dérouler. Donc en fait, nos deux personnages sont dans leur maison, dans la chambre du petit garçon qui les a achetés, a priori. Et il y a ce mec-là qui s'appelle Warlock, qui leur envoie un message et qui pour leur dire qu'il leur envoie en fait ses hommes, donc bah, d'autres monstres, pour les attaquer. Et bah eux, bien entendu, ils vont pas se laisser faire et ils vont même aller plus loin puisque le but du jeu, ce sera d'aller affronter Warlock, d'aller le dénicher dans sa tanière et de le battre, tout simplement. Voilà. Et donc ce sont nos deux personnages tels qu'on les verra dans le jeu. Premier niveau, Monster in My House. Et on y va. Vous voyez, c'est un jeu de plateforme. On peut sauter, on peut donner des coups comme ça. Donc comme on donne des coups, c'est deux faces. On peut pas donner des coups en l'air. On peut se baisser et donner des coups en bas. On peut pas faire de glissade, pas de choses comme ça. Par contre, on a un truc intéressant. Vous voyez, on a des zombies, des squelettes. Hop, hop, on peut faire un double saut. Hop. Et on peut redescendre d'un étage. Ah bah pas ici, tiens. Ah, ici, on peut plus. C'est con parce que je vous ai pas montré la clé. Alors la clé, vous la voyez en dessous. Cette grosse clé là, c'est un des mystères du jeu, c'est-à-dire que beaucoup de joueurs, quand ils testent ce jeu, quand ils jouent à ce jeu, se disent « Putain, il y a une clé, qu'est-ce qu'il faut faire avec la clé ?» Et donc, ils se la trimballent, et en fait, la clé, c'est une arme, c'est-à-dire qu'on peut la jeter contre les ennemis. Mais à part ça, une sorcière ici, on peut la jeter contre les ennemis, mais à part ça, elle sert à rien. Il n'y a pas de serrure, il n'y a pas de porte à ouvrir. Et double saut, ça, c'est toujours assez intéressant, ça. C'est même indispensable dans ce jeu. Puisque bah, on aura à grimper, vous voyez, sur les étagères, sur les chaises, etc. Hop là. Là, on arrive à la zone suivante. Donc, j'ai pas trouvé l'utilité de cette clé. Il y a beaucoup de joueurs qui se sont penchés sur la question. Et a priori, apparemment, on peut l'emmener au boss pour s'en servir comme arme contre le boss. Mais on peut pas l'utiliser. Oh là, attention. Alors ici, on va se mettre à courir. Hop. Et on va clignoter. Et quand on clignote, tout ce qu'on va toucher, on va le dégommer. Paf. Voilà, comme ça. Hop, hop là. Un petit double saut. Et je vais assez loin. Merde. Voilà. Après, ça reste très classique. Comme jeu de plateforme, il n'y a pas énormément de subtilité. Et je vous dis, les deux personnages ont exactement la même vitesse et exactement les mêmes caractéristiques. C'est juste la skin qui change. Là, je pense qu'on va attaquer le premier boss, donc cette espèce de lutin lanceur de couteau qui me rappelle un petit peu, un boss de Castlevania. C'est grande dans Castlevania 3. C'est le personnage qu'on devra libérer et qu'on pourra incarner ensuite. Je sais pas si je le touche là. Alors on peut. Ah, merde, j'ai déjà perdu une vie. Un très bel effet quand on perd une vie. On peut dégommer ses couteaux. Bon, il y aura plusieurs projectiles dans le jeu qu'on pourra comme ça détruire. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Et vous notez, au passage, le petit bruit de mort qui ressemble au cri des boss toujours dans Castlevania 3. Et là, si on avait un camarade qui jouait avec nous, on aurait le décompte de son score à lui, c'est-à-dire des ennemis qu'il a tués. Éventuellement, on peut gagner des vies au score, bah, c'est ce que je viens de faire d'ailleurs. On peut gagner des... Oh, voilà la clé. Je vais vous montrer, je vais la prendre. Hein. Hop, la clé, hop, on se baisse, on peut la prendre et on peut la jeter. Et elle tue les ennemis. Mais par contre, à part ça, elle sert à rien. Sert absolument à rien. Par contre, là, faut faire gaffe. Voilà, quand c'est comme ça, quand elle tombe de trop haut, elle disparaît dans le scrolling. Et moi, du coup, de ces effets-là, j'étais persuadé qu'il y avait un truc à faire avec cette clé, mais c'est pas le cas.
Vous voyez, graphiquement, c'est assez simple, mais c'est pas vilain pour de la NES. C'est un univers très proche de ce qu'on pouvait trouver dans Chip 'n Dale, où on véhicule en fait dans un monde beaucoup plus grand que nous. Et ici, par exemple, il y a des incohérences, comme ici. Voilà, je marche sur la tasse de café et je tombe pas dedans. Bon, ça, c'est rigolo. Par contre, on aura toujours... on est dans la cuisine, donc on aura après les plaques de gaz, etc. Merde, je vais déjà perdre un continu. Je crois qu'on a 3 vies. Au départ, on démarre avec 3 vies. On peut en gagner au score, je vous l'ai dit. Et on a... Ici, vous voyez, pareil, on peut marcher sur la tasse. Ça, je vais essayer un truc. Non, j'allais dire, peut-être que comme dans Mario, on peut... les tasses sont les tuyaux. Ici, pareil, on peut pas déclencher le robinet. Chose qu'on pouvait faire dans Chip 'n Dale, qui n'est pas un jeu Konami, qui était un jeu Capcom. Comme beaucoup de licences Disney, d'ailleurs. Enfin, je peux pas grimper là-dessus. Non, c'est une crédence, c'est un décor de fond. Hop. Hop, c'est un carrelage, quoi. Attention, les œufs. Voilà. Oh là là. Oh là 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 là, le carnage, ici. Faire attention. Ici, vous voyez, on peut pas... Il y a un couvercle, donc c'est logique qu'on marche dessus. Mais par contre, les tasses et tout ça, c'est pas logique. Vous voyez qu'il y a des petits ralentissements, ce qui est logique quand il y a beaucoup d'ennemis, parce que les ennemis sont quand même de bonne taille. Et ici, vous voyez, il faut faire attention au feu de la gazinière. Et on récupérera, bien entendu, des petits cœurs, des fioles avec un cœur, et ça nous remet un carré de vie. Vous voyez qu'on a 5 carrés comme barre de vie. On va tomber tout droit, voir s'il n'y a pas quelque chose ici. Ah bah tiens, voilà la clé. Et c'est bizarre qu'il y en ait une à chaque niveau et qu'il n'y a rien à faire avec. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec, mais en tout cas, si c'est le cas, c'est bien caché. Parce que là, vous voyez, on va arriver au boss. Ah bah, je l'ai perdu. On arrive au boss. Normalement, si je l'avais gardé, j'aurais pu... Attention, hop. Lui nous gèle, l'abominable homme des neiges. Ah merde. Faire attention à lui. Oh là, attention. Bon, après, les boss passent au bourrinage, hein, bien entendu. Et alors, dès qu'il nous voit, dès qu'il nous fonce dedans, lui... Ah, il m'a gelé, là. Putain. Donc là, il faut avoir un bon timing pour le toucher, sans se faire toucher. Hop. Alors, faut passer derrière, mais là, j'y arrive pas. Voilà, je l'ai eu. Bon, les boss sont pas très longs. Hein. Vous notez, les boss sont pas très longs. Alors, je ne sais pas ce qui est congelé, si c'est des petits pois avec des carrés de fromage. Je sais pas trop. Voilà, donc c'est un petit jeu que j'ai trouvé comme ça, par hasard, et que je trouve sympa, même si très très simple dans son principe, et résolument destiné à un public jeune. Hein. C'est une adaptation de licence de jouets, et il n'y a pas de subtilité particulière. C'est un gameplay très simple. Merde. Vous voyez ici, on peut détruire les flammes, ce qu'on pourra pas faire sur tous les ennemis. Dans le niveau suivant, on aura des espèces de chimères qui nous balanceront des jets de flammes, et ces jets de flammes, on devra absolument les éviter. Hop, les balles de golf. C'est bien connu, dans la rue, il y a des balles de golf qui se promènent. Ils auraient pu mettre autre chose que des balles de golf. Voilà. Mais sinon, c'est un jeu qui se joue quand même assez facilement. Bonne prise en main. Ambiance sympathique, les musiques sont propres, hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Graphiquement, c'est propre. Je trouve que l'animation de la cape du vampire est sympathique. Par contre, les ennemis, eux, leur animation n'est pas non plus... super excellente, quoi. Ici, on se retrouve dans les égouts, mais on va pas croiser les tortues ninja. On pourrait croire, hein, puisque c'est également Konami qui a adapté la majeure partie des jeux de la licence tortue ninja. Merde. Je fasse gaffe quand même à pas crever trop vite. Hop là. Ah ouais, voilà. Oh, ils sont chiants, il faut 2 coups pour les tuer. Et donc, le temps qu'on les tue, le jet réapparaît, le jet de d'eau usée dans les égouts, hein, réapparaît. Hop, voilà. Donc c'est un jeu que je trouve propre au niveau de sa réalisation. Alors attention à ces espèces de merde là. Qui me font penser... Ça me fait penser aux espèces d'écrevisses qui étaient recrachées par le gros poisson dans Mega Man 2. Si vous vous souvenez. Hop, ici faut faire gaffe parce que si on tombe de la canette, on perd une vie directe. Hein, même s'il nous restait de... Voilà, enfin, vous l'avez vu. Là j'ai plus de vie. Voilà, game over. On va recommencer au début du niveau. Puisqu'on a... On a plusieurs continues. On a 3 continues. Il n'y a pas de gestion du niveau de difficulté. C'est-à-dire que c'est 3 continues et 3 vies par continue. Quoi qu'il arrive. Vous voyez ici, on peut descendre. Tout à l'heure, on ne pouvait pas. Donc il y a certains planchers desquels on pourra descendre et d'autres non. Oh là 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 là. C'est un carnage. Je fais n'importe quoi. Hop.
C'est pas grave, il y a de la vie ici. Ça tombe bien. Ça tombe plutôt bien. Il savait qu'on allait se faire niquer. Ici, il faut obligatoirement utiliser le double saut, sinon ça passe fort. Hein. Hop, voilà. Moi, j'aime bien ce... J'aime bien les musiques de ce jeu. J'aime bien les univers comme ça, où on est tout petit dans un monde super grand. Ça, j'aime bien. Même si j'aurais aimé... Dans ces cas-là, j'aime bien quand on a une interaction avec le décor. Ce qui n'est pas le cas ici. Ici, on a très peu d'interaction avec le décor. À part ce qui permet de progresser dans le jeu, tout simplement. Bon, je pourrais pas vous montrer le gameplay, enfin, je vous dis, ça change rien. Je pourrais pas vous montrer la skin du monstre de Frankenstein, parce que il faudrait que pour ça, soit que je fasse un reset, soit que je recommence au niveau 1, du coup, soit que je perde tous mes continus, donc, et que je recommence, du coup, au niveau 1 également. Merde, putain, mais c'est pas vrai. Là, du coup, je vais aller plus loin, forcément, puisque j'ai plus de vie. Oh, ils sont chiants, je vous dis, il faut deux coups pour les tuer, c'est... un petit peu raide. Donc ici, il n'y a même pas besoin de s'en occuper de ce qui saute devant nous. Par contre, ici, il faut que je fasse gaffe parce que souvent, je perds quand même au moins une vie à essayer d'éviter ces connards. Hop, on peut faire ça aussi. Mais le problème, c'est que quand on fait ça, la canette n'avance plus. Ah, merde. Ah, bah, je suis tombé dans les eaux quand même. Je suis tombé dans l'égout quand même. Là, on peut aussi faire ça. Hop, voilà. Allez, on y va. Voilà, bon, j'ai quand même perdu une vie, c'est rare que je perde pas de vie. Et on est déjà au boss. Le boss qui est un boss de merde. Un boss facile comme tout. En fait, il y a ses tentacules qui essayent de nous toucher, sinon il faut shooter sa tête. Hop, et puis c'est tout. Voilà, c'est un boss très 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 facile. Tous les boss ne sont pas aussi simples. Il y en a qui sont très mobiles. Enfin, vous avez vu, le boss du niveau 2, c'était difficile de pas se faire toucher. Hein. Mais ici, celui-là, il est simple. Il faut juste faire attention au retour de tentacules, comme ça. À la limite, vaut mieux plutôt se mettre de ce côté-là. Hop, hop, encore un. Là, on peut y aller, on peut y aller, on peut bourriner, puisque la tentacule qui est de ce côté-là ne se relève pas une troisième fois. Attention, hop. Ah bah si, alors d'habitude, elle le fait pas. C'est bizarre. Ou alors, il change de côté, je sais pas trop. Voilà. Terminé. Donc ça, c'est un boss très très simple. Très très moche et très très simple. Et ce qui est bizarre d'ailleurs, c'est que normalement les ennemis, c'est des comme nous, c'est des Monster in My Pocket, c'est des petits bonhommes. Et là, on a un gros ennemi. Bon, bah, je sais pas du tout s'il y a un scénario derrière cette licence. Il me semble qu'il y a eu, là, il faut grimper sur le grillage. Donc vous voyez ça par exemple, un exemple d'interaction avec le décor, mais qui est nécessaire à notre progression. Il y en a pas qui sont optionnels par exemple. Je sais plus, ouais, si, il faut aller de ce côté-là, hop. On évite les espèces de clous qui sont par terre, là. Ici, ça va se corser un petit peu, on va avoir un passage où on monte sur une grue, comme ça. Et pareil, si on tombe de la grue, on peut tomber sur les pics. Et après, il y aura du vide, donc il faudra faire attention à ne pas se laisser tomber dans le vide, pour pas perdre une vie, quoi. Voilà, voilà. Et puis pareil, quand on quitte la grue, elle s'arrête, hein. Ce qui est logique. Merde, je tape dans le mauvais sens. Une espèce de monstre, là. Oh là là, oh putain, je suis tombé dans le vide. Ça, pas de chance. Ça, c'est vraiment pas de chance. Voilà, alors lui, il faut faire gaffe parce qu'il va nous pousser dans le vide. Espèce de... Oh putain, voilà, j'étais pas à portée. Voilà, et pareil, ici, il faut faire très attention. Notamment dans la gestion du simple et du double saut. Si on fait un double saut, on met plus de temps à retomber, forcément. Alors, il va me toucher. Non, ça va. Putain, ça va, je suis pas tombé. T'es juste au bord. Voilà. Ça, c'est un passage un peu difficile. Mais sinon, vous avez... Ah bah tiens, les vlogs, je pourrais pas vous les montrer. Je vous les montrerai plus tard, puisqu'ils arrivent, ils reviennent un petit peu plus tard. C'est ces monstres-là qui crachent des jets de flammes qu'on peut pas dégommer. Et ici, on aura donc ces mecs-là qui font des glissades et qui sont un peu plus longs à tuer, donc il y en aura de plus en plus. Vous voyez, c'est un jeu qui est quand même assez linéaire et assez répétitif. Hein, dès qu'ils ont trouvé une ficelle de gameplay, comme ici... ils nous la remettent pendant... Ouais, là, on va faire que ça pendant un petit moment. On va faire que grimper sur cet échafaudage. Cet assemblage de barres de métal. Et on va dégommer ces mecs-là. Ces espèces de lutins. Et encore une fois, une musique qui est propre. Hein. Des musiques sympas, hein, franchement. Je veux dire...
Ah voilà, vous voyez, ces flammes là, on peut pas les dégommer, on est obligé de les éviter. Et ça c'est une espèce de chimère, c'est un lion avec avec je ne sais pas des serpents dans le dos. C'est un peu bizarre. Là, on va avoir une phase très classique dans tous les jeux de plateforme, c'est la phase de l'ascenseur. Et je vais pas tarder à crever si je fais pas attention. Attention, hop. Avec des espèces d'insectes méduses. Et là, j'ai perdu ma dernière vie, donc game over de nouveau. De toute façon, je vais refaire une petite tentative et puis on va se laisser là. Hein. C'est un jeu qui comporte, si je dis pas de conneries, 6 ou 7 niveaux. Je l'ai pas noté, vous voyez ça. Merde. 6 ou 7 niveaux. Et bon bah, qui est pas, une fois qu'on a pigé le truc, qui est pas spécialement difficile et qui est pas spécialement long à finir. Hein. S'il y a rien de ce côté-là, non. Et on peut pas courir non plus. Il court automatiquement et on n'a pas de mode accéléré. Quand j'appuie deux fois ou quoi, ou il n'y a pas de mode course. Le personnage n'est pas spécialement lent, mais ça aurait été appréciable quoi. Ça aurait été appréciable aussi de pouvoir faire une petite glissade ou un coup spécial quoi. Donc c'est assez minimaliste de ce côté-là. Voilà, bon après, c'est pas une licence qui est très ambitieuse en tant qu'adaptation de licence de jouer. C'est pas un truc très ambitieux. Maintenant, c'est pas non plus un mauvais jeu quoi, c'est un jeu correct. C'est pour ça que je voulais vous le montrer, voilà, il y a beaucoup de jeux pourris dans les adaptations de licence, de jouets, de choses comme ça, de films. Ici, c'est pas le cas, quoi. Non, je touche pas. Putain, c'est pas vrai. Je suis trop au bord, je touche pas. Bon, de toute façon, je me serais fait toucher quoi qu'il arrive à un moment donné, quoi. Voilà, là, je le touchais. De toute façon, je touche pas. Putain, encore. Vous voyez, c'est ça qui est chiant. Et en plus, le boss de ce niveau est un peu chiant. Donc, ce qui se passe, en général, je perds toutes mes vies dans les passages un peu compliqués. Et quand j'arrive au boss, ben, j'ai plus qu'une vie et je me fais niquer. Vous voyez, on est obligé de les éviter. Bon, ça va, j'ai récupéré une vie au score. 500 points, on a une vie. Ah, ah non, mais là, je me suis fait avoir, là. Ah, du coup, ils ont repopé. Ah, c'est un classique sur NES, les ennemis qui repopent. Hein. C'est pas toujours le cas, mais ici, c'est le cas. Si on s'éloigne et qu'on revient, les ennemis repopent, bien entendu. Hop, on va tenter d'aller jusqu'au boss. Et si on n'y arrive pas, et ben, on se laissera là. Donc, un petit jeu sympathique, même si assez minimaliste et plutôt destiné à un jeune public. C'est pas ce qui se fait de plus compliqué en termes de plateforme. Je vous ai fait des jeux et je vous ferai des jeux sur NES de plateforme bien plus durs ou bien plus complexes dans leur gameplay. Avec des petites subtilités, des armes spéciales, des choses comme ça. Bon bah ici c'est pas le cas. Mais bon j'aime bien, franchement. Ils ont pas raté leur coup, ils ont fait un truc sympathique. Vous voyez ici il y a quand même un piège, c'est que si on prend la fiole directe, on se fait forcément avoir par la chimère. Merde. C'était le dernier, ouais. On va reprendre un petit peu de vie. Et là je suis bien engagé. J'ai ma barre de vie à fond et j'ai deux vies. Là, on peut plus essayer de les éviter que de les tuer tous, ça sert à rien. Hein. Parce que vous voyez, là, je retombe sur un et j'ai pas le choix de me faire niquer. J'ai pas d'autre choix que de me faire avoir. Donc là, comme ça, on saute au-dessus des deux premiers avec le double saut. Et on nique le troisième au vol. Faut un bon timing ici. Une fois qu'on l'a, voilà, là, je l'avais pas. Voilà. Ici, faut un bon timing et ça passe tout seul. Hein. Là, si je dis pas de bêtises, on va arriver au boss. Il nous donne de la vie, c'est sympa. Alors, le boss. Le boss, c'est un espèce de lutin perché sur une grue qui nous balance des bombes. Et donc, la grue va venir de différents endroits du niveau. Donc là, je vais... Hop. Alors, je sais pas si en me baissant, je peux l'éviter. J'ai pas fait attention. Fais attention parce que les boss nous font mal quand ils nous touchent, hein, bien entendu. Même si on se fait pas toucher par les attaques. Je vois pas pourquoi je saute ici, ça sert absolument à rien. Là, je vais rester ici. Hop. Merde, je me suis fait niquer. Je me suis fait niquer par la grue. Et voilà. Je sais même pas si la grue me fait mal, en fait. Bon, on va partir du principe que oui. Non. Si, la grue me fait mal. Donc, faut que je fasse attention, la grue me fait mal. Donc, quand il arrive comme ça de l'autre côté, j'ai qu'une solution, c'est de l'éviter. Là, je me baisse et ça suffit pas. Donc, voilà. À mon avis, il faut sauter par-dessus.
Je fais un essai. Non, bah, c'est raté. Faut faire un double saut par-dessus la grue. Hop. Il est assez chaud, lui, hein. J'espère qu'il est pas trop long. C'est ma dernière vie, de toute façon. On va essayer. Hop. Ouais, c'est bon. C'est ça qu'il faut faire, en fait. On peut très bien l'éviter en faisant un double saut par-dessus la grue. Ah bah voilà, je l'ai eu. Je l'ai eu. On va pouvoir attaquer le niveau suivant. Et puis on va se laisser là. Ce sera un test sympathique. Enfin, j'espère que ça vous aura plu. Le jeu, je pense pas qu'il plaira à tout le monde parce que vraiment, c'est un jeu de plateforme assez simpliste. Mais bon. Ah, un petit niveau japonisant ici. Avec des lapins ninja ou guerriers ou je sais pas trop quoi. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Oui, parce que je suis pas allé jusque là. Hein. Comme ça vous fera une petite phase de découverte en même temps. Mais parce que je suis de ceux qui pensent qu'on n'est pas forcément obligé de finir un jeu. Alors ça dépend des jeux. Les jeux simples comme ça, non. Après, ou les jeux simples ou les jeux très durs, on n'est pas forcément obligé de les avoir finis pour pouvoir se prétendre les tester. Maintenant, il y a des jeux où, par exemple les RPG, bon bah il vaut mieux quand même avoir été à la fin pour déjà savoir un petit peu de quoi il en retourne. Quoi. Mais ce qui est con, c'est que je vais perdre. Ici. Hop. Parce que c'est ma dernière vie, tout simplement. À moins que j'arrive à 2000 points. Oh là, ici, il y a des barbelés. Oh putain, des lasers. Eh là. Ah, c'est pas la. Ah, tiens, c'est pas la clé, c'est un boulon. Et qu'on peut s'en servir apparemment pour. Ah, bah, on peut pas. J'allais dire, on peut s'en servir comme plateforme pour éviter les barbelés, ce qui est pas le cas. Bon bah je reprends vite fait et on s'arrête là sur un jeu sympathique. Voilà, sympathique sans plus mais sympathique quand même. Et dont la difficulté n'est pas à la hauteur de d'autres jeux de plateforme sur NES, mais qui quand même monte crescendo. Hein. C'est pas non plus un jeu simple du début à la fin. C'est pas Chip and Dale. Pour vous donner pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure par rapport au décor, ça n'est pas Tic-et-Tac. Tic-et-Tac qui lui est simple du début à la fin. Je rappelle, hein, Tic-et-Tac, quand je voulais tester, je vous avais expliqué ma frustration de l'avoir réussi à le finir en l'ayant acheté, de l'avoir fini en une après-midi. Et ça m'a un petit peu, à l'époque, ça m'a un petit peu énervé parce que, putain, mon bouton, ça c'est moi, hein, c'est mon bouton de saut qui a déconné. C'est dommage. Chip and Dale, c'est un jeu que j'ai malheureusement, que j'ai beaucoup aimé, mais qui m'a énervé parce que je l'ai fini en une après-midi. Vous voyez, hop, on passe à travers. Donc, faut faire attention, ça n'est pas une plateforme. Merde, putain, je pensais que je l'avais, là. Ah, dégage. Voilà. Hop. Hop, alors, je sais pas sur quoi je vais retomber, là. Sur des connards. Alors, ça, c'est marrant. C'est des... Ces mecs au laser, là, c'est des espèces de serpents volants à tête de poulet. Ils ont vraiment beaucoup d'imagination, les mecs qui ont pondu ces petits personnages. Alors ici, vous voyez, ces mecs-là, ils se retournent quand on les regarde, ils se retournent. Hop. Merde. Ah, c'est autre chose que les Pokémon, hein, les Monster in My Pocket. Hop. Bon, ça n'a rien à voir, puisque les Pokémon, c'est des cartes, surtout des cartes à collectionner, c'est pas des figurines. Quoique ça se vend, les figurines Pokémon, j'imagine. Ils sont. Enfin, voilà, dans ce genre de licence, s'ils voient qu'un truc se vend, ils vont le vendre. Hein. Hop, c'est déjà la fin du niveau? Non. Oula. Attention, avant-plan. Vous avez remarqué que le sol est sur un plan de scrolling différent. Ça, je vous l'ai pas dit, mais ça se voyait déjà dès le premier niveau. Le sol est sur un plan de. Putain, c'est quoi ces mecs là? Ils sont super chauds à avoir. Le sol est sur un plan de scrolling différent. Donc ça donne une impression de profondeur. Ça devient chaud quand même ici. Le mec là il balance des ossements là. Ah enfin, on va récupérer quelque chose. Alors du coup on a l'impression que c'est un tapis roulant mais pas du tout. Bon ça c'est un classique, hein, les ennemis qui bondissent des parois en papier qu'on trouve dans les dojos japonais, dans les maisons japonaises. Ça c'est un classique, c'était déjà le cas dans Tortue Ninja 2 sur NES. Ah putain, mais eux ils sont super durs. Un petit peu de vie, non? Ce serait bien. Hop, voilà, un petit boss. Oh là, deux. Oh putain. Oh là 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 là. Ah oui, d'accord.
Ok, ça aussi c'est un classique, les boss qui se dédoublent. Et donc faut trouver le bon. Je continue un petit peu et puis dès que je meurs on s'arrête là. Hop. Ça sert à rien de faire ça. Elle vient vers nous donc ça sert à rien. Je fais pas celui-là. Voilà, là je l'ai bien touché. Bon, pas trop difficile. Mais bon, il y a quand même des originalités, hein. Les boss sont pas... merde, ça passait pas. Les boss sont pas non plus... basiquement, c'est pas basiquement du bourrinage. Hein. Là, ça passe pas non plus. Bon, ok. Je me fais avoir. C'est celui-là. Hop, attention. Voilà, c'est bon. On va essayer de garder ses derniers points de vie. C'est celle-ci, donc celle-là, ça va être facile. Est-ce qu'on va réussir à la battre? Est-ce qu'on va réussir à battre cette méduse? Oui! Vous voyez, pas dur, hein? Pas dur, hein? Je suis jamais allé à ce niveau-là et je l'ai fini, donc pas dur. Comme ça, bah, vous verrez le niveau suivant. Et puis après, on va s'arrêter là. C'est la troisième fois au moins que je dis on va s'arrêter là. Last battle. Ah bah voilà, c'est le dernier niveau. Donc c'était bien 6 niveaux et pas 7. C'était bien 6 niveaux pour ce... Oula, oula, dinosaure maintenant. Oui, je vous l'ai dit, hein, les monstres in my pocket, c'est très vaste. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un peu de tout. Il y a du mythologique, il y a du naturel, comme là, des dinosaures. Il y a du fantastique, il y a du vampire, de la sorcière. Enfin, il y a un peu de tout. Hein. C'est vraiment très, très vaste. C'est le mot monstre au sens le plus vaste possible. Ah, je me fais toucher quand même. Pas simple, hein, ça. Faut éviter les gouttes d'eau. J'écoute un peu la musique, sympa également. Ouais, ça c'est espèce de Minotaur. On est dans une variété de monstres assez... Oula, alors je le sens bien, le truc qui va s'effondrer là. Ouais, donc ça c'est ça, très classique également. Vu dans Megaman, vu dans un tas de jeux, ça. Le plafond qui s'effondre, il faut se baisser. Très 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 classique. Mais bon, c'est... Voilà, c'est des petites phases comme ça qu'on... On n'est pas surpris. Quand on a l'habitude de jouer aux jeux de plateforme, on n'est pas surpris. Par contre, cette espèce de dragon, la Altered Beast, là, il m'a un petit peu surpris, lui. Oh putain, je le savais en plus qu'il faisait ça. Et puis, vous voyez, certains ennemis sont quand même bien, bien résistants. Ces dragons-là, il faut quand même pas mal de coups. Voilà. Et là, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi ce test de Monster in My Pocket sur NES. C'était Doc McCoy. Salut !